Bonjour les filles. Bonjour Zoélie. Mmh. Alors elle ferme les yeux parce qu'on a une surprise. Non. Hey hop. Tu peux ouvrir les yeux. Alors qu'est-ce qu'on va ouvrir? C'est ce qu'on a vu à la télé. Feeling Lucky. C'est les Pick Me Pops, des petites figurines à collectionner, des petites peluches qui sont dans, on dirait, une sucette. En fait, on a deux peluches, je crois, et des petites surprises en plus. Alors, chacune va ouvrir et on va découvrir ce qu'il y a dedans. Je crois qu'il y a à peu près une cinquantaine aussi de petites figurines, de petites peluches à 45 et plus. 45 et plus. Et voilà, Lilou, elle ouvre également. Zoélie a un temps d'avance sur Lilou. On dirait qu'elle est plus expérimentée pour ouvrir. Mais non, c'est que moi je vois proprement. Ensuite, j'ai encore un truc à enlever. Alors, c'est qui qui a un temps d'avance sur qui? Et bien maintenant, c'est Lilou qui a un temps d'avance sur Zoélie. Tu veux de l'aide à dessiner? Oui, elle veut bien, elle veut bien. Oui, je veux voir ces deux-là. Ils sont trop beaux. Ah oui? On en a fait un final. Hop, il y a encore un truc. Il y a encore un sort de scotch. Non, c'est pas du tout un scotch en fait. C'est pas, non, c'est encore un petit film plastique. Il fait le tour. Je dirais une poupée là, tellement il y a de papier. Elle est jaune et transparente. Allez, et Lilou, elle est rose. Et donc, voilà. À l'intérieur, on a ça. On a ça. Pour poser. Voilà, c'était le socle. Hop, et on a toutes les petites surprises. Et on a combien de surprises? 5. 5 surprises. Chacune d'entre elles. Oh, c'est celle que Zoélie elle voulait. Oh, on échange? Ouais. Montrez-moi ce que c'est. Ça sent trop bon. Moi, je la veux. Oh. Trop bon. C'est des petites peluches. Je peux sentir la tienne? Qui sont très, très, très mignonnes. Montre-nous, Zoélie. Ça sent la pomme. Montre-nous, Zoélie, la tienne. Elle sent la pomme. Alors, on ne peut pas vous faire sentir. Oh, c'est trop joli. Ce petit poussin avec des petites tranches d'agrumes, on dirait. Alors, je sens. Ah oui. Le mien, ils sont voilà. Plus forts. Très, très joli. C'est lui qui ouvre maintenant. J'ai pris ta paire de ciseaux. Ah oui. Non, c'est la paire de ciseaux. Je la porte après. Ah, donc là. Moi, oh, j'ai eu le chat. Alors, elle a eu des stickers. Et j'ai aussi. L'oiseau de Zoélie. Ah oui. Tu voudras qu'on échange que tu me passes le poney, moi, je te passe mon oiseau. Ouais. Ensuite, regarde. Ah non, c'est des petits trucs comme ça. C'est des petits trucs comme ça. Alors, c'est quoi les petits trucs comme ça? Oh, mais t'as aussi elle a aussi l'oiseau qu'elle a. Elle a aussi l'oiseau. En fait, ça correspond à ce qu'on a eu. Une petite peluche aussi. Oh, ils sont forts. On voit mes doigts. Moi, j'ai
aujourd'hui. Mais en fait, les autocollants et tout, ils correspondent à ce qu'on a eu dans le paquet. Voilà, on dirait qu'il fait dodo, ce petit oiseau. Mais oui. Ah, mais c'est l'odeur. Mon l'oiseau, il sent la framboise. Ah, mais c'est pas du tout des marque-pages. Oh, ma zozo qui continue à ouvrir ses petites surprises. Oh my god. Oh my god. Et montre-nous un petit peu de prix, ce que c'est. La framboise. Oh, un petit piou-piou. Le cheval, il sent multi-fruits. Et un multi-fruits aussi pour celui-là. Voilà. Et là, on a le truc de collection. Alors, sur le dépliant, on va peut-être trouver le petit nom de ces petites peluches. Et je reviens encore sur Zoélie parce qu'elle a continué à ouvrir sa dernière petite surprise. Et qu'est-ce que c'est ? Elle a un cordon pour mettre ses clés ou pour accrocher autre chose et ça se met autour du cou. Et sur ce cordon, il y a les petits personnages. Oh, la petite banane. C'est un très, très joli ruban. Très coloré, très, très joli. Alors, le cheval et l'oiseau de Zoélie, c'est des communs. Mon oiseau que moi j'ai eu, c'était un rare, mais je l'ai donné à Zoélie parce qu'elle le voulait. Et le chat, c'était un rare. Alors Zoélie, elle a fini d'ouvrir et il reste Lilou qui n'a pas fini d'ouvrir. Alors, on se concentre sur quoi ? C'est quoi ? Alors là aussi, c'est un cordon à mettre autour du cou. On peut accrocher ses clés. Alors Lilou, il est rose. Celui de Zoélie était jaune. Il y avait différents petits personnages dessus. C'est très joli. Et c'est très odorant tout ça. Hein. Et surtout lui. Et tu prends pas. Ouais. J'ai trop hâte de voir la figurine que... Lilou ouvre sa dernière petite surprise. L'Aurélie en figurine. Et qui c'est? C'est le chat. Montre-nous, Lilou. Oh, il est magnifique, ce petit chat. Oh, il est trop mignon, le oiseau. Alors voilà pour les petites surprises. On a la première peluche qui s'appelle Clopi. C'est commun. Et ensuite, on a Fetty the Cat. Qui est là, on a le... C'est un pony. The Pony, donc c'est le poney. Là, c'est le Après, chat. Après, on a le chat, qui est un rat. On a les différents stickers. Normalement, là, on, en fait, on a les personnages... Personnage en fait, très, très mignon. Toute la sucette est composée de deux mêmes personnages. Oui. Donc, vu qu'avec Zoélie, on a échangé. Bon. Mais voilà. Et là, on passe à ce qu'elle Zoélie, son ruban, son petit poussin. Et Zoélie, elle aime bien les petits oiseaux. Alors, on a Chata, qui est rare. The Paro, c'est peut-être le perroquet. Oui, c'est celui que j'ai. Est-ce que vous avez vu Griffon dans une précédente vidéo? Le petit poussin. Vous avez vu Griffon dans une précédente vidéo? Non, c'est le perroquet, the perroquet. Tu penses que ça veut dire perroquet? Perroquette. Ah non, il est marqué perro. Paro. The Paro, ça veut dire quoi? Oh, à votre anglais, ceux qui savent, dites-nous, parce que nous n'en savons rien. Mais voilà. Zoélie, c'est dans les tons jaunes, moi c'est les tons roses. Et ben. Parce qu'en fait, j'ai eu deux trucs à la framboise et Zoélie, elle a eu deux trucs tropicaux. Sauf que vu qu'on a échangé les deux, et ben du coup, ça marche plus. Alors, dans chaque surprise, vous avez le petit guide de la collection. Avec les différents parfums, les couleurs qui associent au parfum, la banane, le chocolat. Et pareil pour les personnages, là on a les différents personnages. Et ici y a marqué avec si c'est rare, les parfums, oui, si c'est rare. Ça, super cidre. Commun par exemple. Là on a les rares. On a les ultra rares et on a les éditions limitées. Mais je peux vous dire qu'on a ni les éditions limitées, ni les ultra rares. Mais on a eu des rares, hein. Enfin, c'est moi qui les ai eus. Zozo, elle a eu les communs. On a eu. Parce que je crois que dans un coffret. Enfin, après, moi, je dis ça par rapport et à. Et les communs. Et c'est pareil, derrière, on retrouve tout ça. On retrouve des communs. Moi, je dis par rapport des à. Des rares, qui sont différents du recto, des ultra rares. Et les super 7. Je ne sais pas à quoi ça correspond, les super 7. C'est peut-être 7. Les 7. Voilà, des petits personnages très mignons qui sentent bons, qui sentent même un petit peu fort quand on les ouvre au début. Alors, Pipi, moi je le remets tout dans ma boîte.
Tu remets tout dans ta boîte. Oui, si tu as raison. Voilà, en plus on peut tout remettre, ça rentre, on perd rien. Ça va pas rentrer. Si, ça va. Si, ça va rentrer. Je pourrais accrocher ma carte de cantine. Lilou, elle pourra accrocher sa carte de cantine. Voilà, Zoélie a tout remis dans sa boîte. Lilou aussi. Non, je l'ai mis deux. Ah oui, elle a pas tout remis dans sa boîte. Fais voir, Rousseau. Tout mis, impeccable, tout est rangé. Je vais prendre une sucette. Alors maintenant, tu peux manger ta sucette parce que ça ressemble vraiment à des sucettes. Dans les petits, par contre, dans les petits il y avait un peluche. Alors que là, on en a plus. Voilà, dans les grands, il y a deux petites peluches. Il y a des surprises. Ça existe en petit format aussi, mais bien sûr, il y en a moins. Et bien, il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir à tous et à très bientôt. Au revoir, sucette. Bientôt.